dégustation aux Blanches-Neiges et au banquet des Blanches-Neiges. Et vous verrez, on y arrivera tout à l'heure. Pour l'instant, il s'agit de faire la rencontre de Linda. Et pour ça, je vais vous mettre un petit morceau de musique qu'elle a choisi elle-même, qui fera partie de la playlist de notre émission Chambala Time. Bienvenue à tous et bienvenue au Centre Beaubourg et bienvenue au banquet des Blanches-Neiges. Bob Marley, Red, Red, Wild, Bob Marley. On la connaît tous et pourtant on pense pas souvent. Il parle de vin. Il a une couleur extraordinaire. Une, alors, on dit une robe. La vôtre. Ah. Alors Linda, j'ai une grande question et je dois vous avouer que je suis écoutée d'abord. Il faut un moment de silence, c'est pas possible. Ce goût, il y a un goût, il a un goût extraordinaire ce vin. Alors, deux minutes, hein. Je sais que c'est pas très radiophonique, mais là on boit, on va peut-être le nommer, un château Jacques Blanc, donc c'est ça. On dit des millions de l'année 2000. Voilà. Ça vous renvoie ou pas, tous là qui nous regardez? Ça devrait, parce qu'il est incroyable. Et celui qui l'a fait aujourd'hui est en train de cueillir du gui en Bretagne. Pourquoi? Il a arrêté de faire du vin après ce millésime. Il n'a pas réussi à en faire d'aussi bon, c'est pourquoi il a arrêté. C'était un aboutissement, ce vin-là, et il est parti ensuite faire autre chose, cueillir du gui. Dégustation des Blanches-Neiges, parce qu'elles ne sont vraiment pas dépourvues de goût et d'envie de s'enivrer, les Blanches-Neiges. Mais par contre, j'ai pas du tout envie de lâcher mon verre. Alors je vais tenir le verre à droite, le micro à gauche, une petite chanson pour qu'on sorte de cette cabine où nous sommes, l'aquarium, comme disait hier le philosophe. Et puis on va aller rejoindre la table des Blanches-Neiges et vous allez pouvoir assister à la dégustation, voilà, de Lindaboie par les Blanches-Neiges. Thank you.
vous aurez dans le groupe de compétition.